fait une petite VOD. Mais je veux des. On est parti chercher des baies et on trouve. Oh, c'est horrible. Oh, merde. C'est plein de têtes d'araignées. De fourmis. Oh, mais pourquoi? C'est quoi? Attends, c'est quoi le loot pas trop vite? Oh, y a un gourdin de fourmis pourrissant. Je le récupère. Journal. Ah, c'est quoi que t'as eu toi? Une formule trouvée près d'un corps gisant dans une grotte. Fourmis et journal de stagiaire. Ce Thanksgiving, je le passe avec de nouveaux amis. Ils me comprennent vraiment. Je peux le voir dans, dans leurs yeux. Ils ne me font pas porter des choses ou prendre de notes ou me crient dessus ou me parlent de. Mais il a pété un câble, l'élève. On porte notre propre poids. Nous faisons un festin ensemble, moi et les fourmis, on s'entend très bien. Si je ne revois jamais le reste de ces crétins, ça sera trop tôt. Sauf peut-être le militaire, il peut se joindre à nous. Comment une fourmi soldat? Comme une fourmi soldat, vous comprenez. Maintenant, pour trouver une fourchette. Mais what the fuck? Il a pété un câble, Gonze. C'est un stagiaire fourmi. Moi, j'ai pas de torche, fais chier. Je crois que j'en ai une qui est en fin de vie, mais. Ah, parce que là, il y a une fourmi, là. Ah, mais attends, il a fait une créature chelou, là. Regarde, là. Est-ce que tu as des touffes d'herbes sèches? Orbitel dans... sait que tu es là. Comment ça? Ah, dégueulasse. Il y a eu un message me disant, Orbitel sait que tu es là. Comment ça? T'as vu? Je voudrais trop le voir avec une baie. Ah... avec une torche. Ah, c'est glauque. C'est quoi, il y a un message là? Non. J'ai eu un message. À gauche. Ouais, mais je l'ai vu disparaître au dernier moment. Orbital, c'est que Orbital. Tu es là, c'est ça? Ouais, bah c'est les araignées jaunes. Et la science. Ouais, sympa. Je vais à la science. Non, sur la science. C'est super dur. J'en veux des. T'as déjà fait? Oui, mais ils le disent dans le chat. Le chat vous dit bonjour à VOD. Mais c'est trop glauque ce qu'il a fait avec les fourmis. Alors, on n'a pas trouvé. Mais du coup, on n'a pas trouvé la puce. Non, c'était clairement. C'est genre de la map. Il y a peut-être un autre passage pour aller sur le côté. C'est clairement dans le bout de ce truc-là. Hein. Ouais, il y a sûrement un autre passage. Et je pense pas que le labo. Enfin, je suis pas sûr, mais. Le labo, à mon avis, il y a moyen, mais tu rentres par un autre endroit. Je pense qu'il faut monter sur Star. Orbital, c'est tu. C'est pas Orbital, c'est Orbinae ou je sais pas quoi. C'est Orbitel. Bon, viens, on essaie de passer au-dessus. Là-bas, regarde, on va essayer d'éduquer. Mais on voit rien. On va se faire au moins une torche. Bah, mais j'ai pas de quoi. Il faut de la sève. Des cordes. Ça devrait se trouver, ça. Attends, comment on pourrait passer au-dessus? Bah, y'a pas plus ça. Là, y'a de la sève ici. Bon. Ouais, puis bien. Toi qui as fait ce bruit-là? Tombé dans l'eau? Je suis tombé dans l'eau, je fais plouf. Ok. Regarde, comment on pourrait faire? On pourrait faire un escalier en fait. On va le construire. Non mais. C'est ce qu'il faut ici. Moi j'ai tellement l'impression que le chemin il sera là-bas. Enfin, que. Ils sont, on a rien à perdre, on peut tenter. À part tellement de temps? Non, puisqu'on a tout autour là. Non, regarde, non mais faudrait faire 1000 escaliers quoi. Mais non. On va faire en colimaçon, non? Et c'était cher les colimaçons à construire? Attends, ça donne quoi? Ah oh bah c'était toi qui les as fait. Ou plancher en herbe. Genre si, que je peux les... Ouais, plancher en herbe, c'est plus simple. J'aurais dit on fait un escalier qui monte. Et zoom, gagné. Ah oui, mais faut les échafaudages, non c'est chiant par exemple. Ouais, donc colimaçon au final. Colimaçon, ils disent quoi? Fabriquer, c'est où? Ah, il faut du gland. Il faut 8 glands à chaque fois. Ah, c'est chiant.
non, c'est pas la solution. Moi, je pense pas. Bah, l'herbe qui est là, sinon. Enfin, je pense qu'en montant un peu sur les herbes qui sont là, on devrait pouvoir monter. Me file une sève. Si t'as tout pris. Moi, je suis toujours vers la grotte. Je viens. Là, je regarde si je peux monter. Mais c'est quoi ça? Ah, c'est une luciole. Ça brille. Ah, on peut grimper là en fait, là, que je prends la tête. Ça aurait pas ma sève quoi. C'est. Bah, si, bah, j'attendais que tu viennes. Merci. Alléluia. On avait marre de rien voir. On voit quelque chose. Moi je veux re-explorer en fait la petite grotte parce que je pense qu'il y a des trucs qu'on peut trouver dedans. On voit clairement qu'on peut monter sur ce truc là. J'entends le bruit, me fait penser à une punaise. C'est quoi ce bruit dégueulasse là que je me barre? C'est le dernier qui ronfle, non? Non, c'est un bruit que je connais même pas. Ah bah c'est une luciole, je pense, qui vole au-dessus de moi. Ah mais pas terrible. On a vu des meilleurs bruits quand même. Bien glauque. Ouais, non, je pense vraiment qu'on peut passer au-dessus sans trop de galère. Super son. On voit rien. T'es dans la grotte là? Non, j'arrive, je vais voir. Ouais. Je regardais si on avait pas des indices en plus. Comme ça. Ouais, avec la lumière, en mode je vois bien. Bah c'est toujours un petit peu mieux. Je peux monter là-dessus. Sur ce caillou là. Mais comment t'es monté sur ce caillou? Là, on est autour. Quand je suis tombé. Merde, deux fois que je suis à la connerie. Faudrait juste mettre un support ici, je pense. Pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Mais là, il y a écrit verrouillé, il n'y a pas écrit carte d'accès, machin. Je pense. Peut-être juste le déverrouiller grâce à... en faisant l'événement avec la machine. Alors, je sais pas parce que j'en ai vu plusieurs. J'en ai vu une autre machine comme ça. Donc, je sais pas si c'est lié à chaque labo ou pas. Moi, je pense pas, mais. Ah, est-ce que je peux pas construire un petit truc ici à fabriquer? Un truc qu'elle montait. Gravillon, tige, là, un pilier en tige là, comme ça. Gravillon, tige d'adventure. On monte dessus, dessous. Ah, il faut gravillon, Lox, si t'as trouvé corde rudimentaire. Ça, je peux le faire. Pour faire quoi du coup? Il faut un gravillon et une tige de pour construire un pilier pour monter au-dessus. C'est tout. Moi je pense que c'est tellement pas la technique.
J'arrive, j'arrive. Bah, si tu trouves une pierre, au pire. Je cherchais une tige d'adventier, je n'en ai pas. Non, j'ai soif. Y'a pas une bulle, y'a une deux. Une bulle. Une goutte. Un sol. Non, j'ai juste récupéré deux parce que la moitié de mon endurance. Ah, ça très pratique. Ah, mais y'a des bruits horribles là-bas. Tu veux quoi? Des cailloux. Je suis derrière toi. Ah, un caillou. T'en veux? Bah non, mais c'est bon, on va y aller ensemble. Je veux juste que je casse ça. Voilà, pour ramener ça. Voilà, go. Ah, je fais plus porter que 5 trucs maintenant. Et ça. On est parti pour le show. On n'a pas beaucoup de science, non? 1300, on en a récupéré un peu. Mais pas si tu peux faire d'autres trucs. Là, on s'acharne sur un truc qui est pas le moment. Mais si, c'est... il faut trouver. Là. C'est littéralement notre quête en fait. Non, là, on essaie de passer à travers. Enfin, de l'autre côté à un endroit. Alors qu'en fait, bah, je pense qu'il faut faire l'événement de la machine, moi. Non, il y a plein de machines comme ça, elles n'ont rien à voir, je suis allé voir. Eh ben, il faut quand même les faire. C'est juste pour de la science, c'est pas chiant. Et non, c'est trop dur, je peux pas avoir le moment. On a essayé, c'était chaud. Et puis on a essayé, maintenant, on s'en sortirait vachement mieux. Tu peux mettre le caillou, du coup? Ça me fait bugger de passer là-dedans. Mais putain! Saloperie de bête là! T'as un autre caillou ou pas, Lox? Oui. Ah mince, faut faire une corde. Tu peux faire une corde? T'as assez de petits trucs là. Mmh. Oui. Ah non. Ouais, il y a bien clairement. Ah bah il est là-bas, la science et le labo, il est là-bas, le reste du labo. J'avais raison. Juste en face de moi, fallait passer. Par contre, je t'attends parce qu'il me faut l'attendre. Enfin, je vois rien du tout. Toile d'araignée partout, non? Non. Oh, je la vois. Je vois une araignée à droite. La puce, elle est dedans. On la voit. Vas-y, Lox, fonce. Bah oui, faut rentrer dans le labo qui est verrouillé comme d'hab, quoi. Mais non, il y a l'entrée qui est juste là. Mais c'est pas de la... C'est de la science. C'est juste de la science. Mais tu regardes au sol. Il y a la puce, en fait. On la voit. Tu racontes. Oh, je vois de la science. Et une cassette. La puce pour Burgle. Mais c'était une cassette, c'était pas du tout une puce, ça ressemble pas du tout à ça, c'était une puce. Mais t'entends, c'est une cassette. On écoute. Attends, ils disent quoi sur la map? Est-ce qu'il y aura des infos dans ce qu'ils disent? Il n'y avait pas cette partie de jardin avant. Well, let me know when it's done then. Lox a trouvé échantillon de toile. Ooh, another chance to observe a spider in the wild. Ah, Lox, je crois savoir où est la puce. Elle est au-dessus de ma tête, clairement. Regarde. Tu viens avec moi.
Regarde en l'air, on a tout le labo en fait, il est en l'air. Et t'as l'air d'avoir l'entrée qui est juste un peu devant moi, mais ça nous fait passer au-dessus d'une araignée jaune. Elle dort. Elle dort, non? Mais c'est pas l'entrée en fait. Ah, à moins que tu parles de celui qui est en bas. Non, c'est regarde, l'entrée je la vois. Je vois le bout du tuyau de là en face de moi. On peut y aller par là, regarde. Enfin, je sais pas si on peut monter. Moi je vois pas moi. Bah là je vois rien. Ici, juste devant moi. J'y suis. Et c'est verrouillé. Mais au moins on sait que c'est par là pour aller récupérer la puce. Non mais il y a plusieurs portes en fait, il faut juste rentrer seule fois dans le labo et déverrouiller. Je pense pas, ce labo il est complètement détaché des autres. Et la puce, je pense qu'elle est au-dessus vu que là sur le radar ça dit que c'est au-dessus de nous. Pourquoi j'ai la musique qui fait du bruit, genre comme si on m'attaquait? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Moi je j'ai rien. Et il y avait, j'ai un peu à moitié écouté la cassette, il y avait pas l'air d'avoir d'indice, hein. Mais d'accord. Tu pourras, j'ai pas l'impression non plus. Du peu que j'ai lu. Bon. On fait quoi? On s'en va parce qu'on avait brûlé les étapes. Non, on a rien brûlé du tout, c'est le même labo. C'est même là-haut qu'il y a la prochaine puce. C'est le même labo. Faut y rentrer normalement depuis l'autre côté. Ça nous avance. On peut rentrer en marchant sur le long de la haie là. C'est pas moins chiant. On y verra plus clair. Ouais, moi j'ai soif. Ah, mais j'ai peut-être encore un peu d'eau. Ah, il y a des lucioles, mais elles sont deux. Ah non, j'ai plus d'eau. Oui. Mais il y a plein de gouttes partout là, viens. J'en fais tomber une ici, si tu veux. Bon, j'attends que tu t'approches. Ah oui. Il y en a vraiment, vraiment partout. Tiens, elle est là. Bon. Merci. Hydration is the key to performance. Ouais, l'eau, c'est pas un problème dans le jeu, je trouve. Avec les... Enfin, quand il y a des herbes, là, notre base où on est, c'est un peu plus chiant. Mais... Ma fille a déjà fait, on voulait bien du lui prendre, sauf que celui-ci n'est pas passé et elle a vomi. Ma question est donc la suivante. Que je considère qu'elle a quand même eu du Doliprane et j'attends 4 à 6 heures pour lui en redonner. Est-ce que je peux lui redonner tout de suite? Ça c'est compliqué ça. Elle a vomi rapidement ou pas? Si elle a revomi vite, je pense que ça va. Doliprane mais... ça met un certain temps. Ouais. Demander à Manon comment on fait avec les patients quand ils vomissent, c'est leur médication. Medication. Attends, on va faire pour rentrer à la maison. Il y a un petit rebord ici, voilà, ça se fait pas mal. On descend encore un peu. On peut peut-être passer voir la brique de lait, ils ont l'air de dormir. Ah, ils dorment, ouais, les bombardiers la nuit. Quoique. Un dort et l'autre bouge. Ouais, il faut une toto. Ah, il fait plus toto. Ouais, qu'est-ce qu'on fout là-dedans, putain. Ah, c'est un cul-de-sac. Oh, ça, c'est peut-être une herbe intéressante, non? Non. Non, on peut pas. Ça m'indique même pas que je peux la couper. Bah oui. Viens, on passe là. Those poor missing kids. I wonder if they could be trapped in the yard like us. Hello? Attends, j'ai peur. Tu peux passer devant? Attends, du gravier, je vais voir ce que ça donne. J'entends des bruits et tout. Ça donne juste des gravillons, ok. Oh, il est là. Putain, il m'a vu. Voilà, je t'avais dit. Il faut courir, hein. Il t'aurait pas moins vu avec ma torche. Ça aurait sûrement été pire. Alors, le problème, c'est qu'ici, il y a plein d'araignées. Be careful of that spider. On est là. Étonnamment, elle dort. Ça, c'est cool. Et j'y aime. Étonnamment, elle dort. Mais non, c'est normal, elle est toto. Je crois qu'elle chassait la nuit, faut savoir. Mais ça dépend desquelles. Je pense que ces araignées jaunes, elles bougent beaucoup la journée.
Mais je pense que c'est un nid noir. Les têtes. Les araignées loups, je vais y arriver. Eh ben, elles sont de nuit, elles. Ça a pas marché, Ert, mais merci pour les 50 bits. Oh putain! Ah bah oui, du coup, on est en pleine nuit là. J'entends, elle est dans mon dos. Oh, moi, je suis loin, moi. Je suis encore en train d'essayer de contourner. Je fais du bunny up, elle me voit pas. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh, ça, on le savait. Sur une paille, je suis en sécurité. Elle est où? J'en sais rien, j'ai couru. Chacun pour sa gueule. Ok. Bon, on pourra faire les marteaux déjà. Ah, et on pourra faire la deuxième hache aussi. Ah ouais, moi j'ai trop dit. Et Toto? Je vais te la faire. Hop, c'est parti. Voilà, tiens, je te la donne vite fait. Faut qu'on fasse Toto tout de suite là. On va se réveiller à 11h. Merci. Allez, choper. Mais j'arrive pas à la choper. J'ai souvent ça. Ah, c'est bon. On va plutôt faire dans les coffres. Hein. J'ai souvent ce bug. Là, on est en bas à gauche. Ah ouais, je vois. Ouais. 11h. T'avais dit. Vas-y, je te laisse me faire les marteaux. Bah, j'ai faim là. Attends, j'en ai peut-être la nourriture, j'en ai deux. Tiens, hop, j'ai mis avec. On peut améliorer aussi. Ah, plaquage fragile, on peut améliorer notre armure. On peut améliorer. Je vais améliorer une fois chaque armure. Tu peux faire aussi si tu veux. Ça consomme pas trop. Voilà. 15% de défense plus au total. Je te mets ton marteau dans le coffre à équipement. Ouais, ça marche. Ah. Bon, je vais poser l'ancien marteau. Et je vais poser l'ancienne hache, du coup. Voilà. Oui, c'est vrai. On t'allait améliorer ton armure un peu? Non, bah, tu m'as dit ça il y a exactement une seconde, une vie. Bien, Lox. Pas con. Coûte jamais, hein. Et ma hache, elle était... Tu me l'as donnée, donc elle est dans mon inventaire. Après, je t'en veux pas, parce que t'es ma petite sœur, et souvent, avec sa petite sœur, faut être patient. C'est moi qui dois être patiente. Trop moi. Faut que j'analyse le fourmi rouge pourrissant. Bah, analyse le fourmi rouge pourrissant. Et la pelume. J'ai soif et j'ai faim. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Je parle par-dessus parce que c'est sur mon copyright et bisous! Merci beaucoup, Hertz, c'est gentil. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis tombé. Ah, c'est dommage. J'ai pris une nourriture que t'as fait cuire. Bon? J'ai cuire moi? Il en reste une si tu veux, oui. Ah non, c'est moi en plus. Faut que je boive aussi. 30 croissance, 88 pluriel. Vas-y, ça marche quand cette connerie là? Coucou Cortan! Prêt à planter. C'est officiel, c'est l'Ox la meilleure. Oh, ça on le savait. Ça les validé en fait. C'est bon, t'as mangé? Ouais, j'ai mangé, j'ai un peu bu. Bon. Merci beaucoup, vous avez fait nos marteaux? Ah oui, c'est vrai, on les a. Oh là 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 là. Moi, je vais essayer de casser ça et je vais voir ce que c'est. Bon, du coup, c'est quoi? Bah, viens, on fait les palmes en nageoire, déjà. Ça, on fait, parce que c'est les quêtes liées au robot, là. Ah, est-ce que tu veux pas aller voir le robot, en fait, toi, plutôt? Viens. Mais les palmes, il faut les vasilles, je sais pas quoi. Des tiges de vasilles d'Adventis. Plein de tiges. Ok, d'accord. Bon, c'est pas le bon bail en fait. Mais on t'a coupé un nouveau truc? Adventis. En fait, il y a écrit dessus ce que c'est. En fait, les plantes, il y a écrit dessus ce que c'est. Un champignon, je peux le... Attends, je coupe le champignon maintenant. Coupe le champignon. Je pense que... Ah, il me donne des morceaux différents. Morceaux de champignon. D'accord, c'est nouveau.
Je vais voir le robot. Oui, d'avoir les petites pousses. Attends, tu... Ouais, bah je t'accompagne, je pense. Je vais aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a découpé de nouveau à part la plume et le champignon? Et toi, t'as cassé une... un morceau de pierre, c'est ça? Non, c'est les grosses plantes. Et ça donne quoi? Des tiges. C'est pas fou. C'est bien? Ouais, ouais, bah ça donne quelques-unes, donc c'est pas, c'est pratique pour les constructions. Mais... c'est pas un nouveau matériel, quoi. Et ça se trouve, est-ce qu'ils sont pas sur les araignées loups, les trucs? Je cherche pas les brins. Les brins de Valinéry. Clairement une plante, vu le nom. Oh, bizarre. Ok. On comme Google. Nous, toi, alors, dis-nous des trucs. Ouais, ouais, j'en ai des champignons. On peut faire du lisier de champignons. Faudra... on a pas j'en ai la plume. Et puis, on peut faire un lit. On a un chapeau de tir des arbalètes de corbeau fléchés. On rigole pas. Et le gourdin pourrissant. Tu veux peut-être apprendre la cuisine, non? Quoi, moi? Je suis une gonzesse? Non, parce que t'es juste à côté du truc pour apprendre. Vu que tu parles au robot. Ah, mais t'es pas déjà en train de le faire? Je suis parti. J'ai juste analysé, moi. C'est pas le même endroit, l'analyse. Oh, on a une quête. Exterminer les puces d'eau. Ouais, faut vraiment aller dans la flotte, hein. Les palmes, les puces d'eau, y'a pas photo. Mais ouais, mais comment... le brin de vaseline bon, a bah, tous les je... dans la flotte. Voilà, j'ai pris la cuisine. Allez. On pourra bon, peut-être... viens, on va peut-être... vite faire la base. On regarde si on peut craft des trucs pour nous aider, et ensuite on va aller dans le... Putain, les Valinéries, là. Ça rend ouf, hein. Y'a pas d'infos? Genre, quand on va dans les quêtes, non, je sais pas, je suis pas allé voir, je vais essayer ouais, de voir si... Alors... il trouve, y a écrit, se trouve sous l'eau... plongeons en profondeur. Oh, bon, non. Fabriquer des équipements de plongée pour explorer sous l'eau. Voilà, c'est ce qui... ouais, donc faut vraiment qu'on fasse ça. La Valinéry... what is the Valinéry? Elle, chat, c'est quoi la Valinéry? Mais ne spoilez pas, s'il vous plaît. Sinon, je regarde sur internet ce que c'est, et comme ça, on sait si au moins c'est une plante ou pas. C'est 100 mètres grandide. Je pense que je vais faire ça. Non, on est censé savoir. Et là, tu crois qu'ils sont internet, les petits cons? Non, je crois pas, non. Valinéry, c'est de l'herbe. Non, Locke, tu regardes pas! Mais... si je voulais cheater, j'aurais que joué avec Grumge. Mais non, mais c'est bon, là au moins on sait que c'est de l'herbe. Comment ça c'est bon, là au moins quoi? On sait que c'est de l'herbe. Non, sans déconner, les brins, il y a écrit. Oui, mais on a la confirmation. Mais on s'en doutait déjà. Oui, bah j'ai une info en plus et je te la dis pas. Et qu'en est-il du fantôme? Bah non, mais si tu le sais, c'est nul. C'est aquatique. Tant pis, t'as gâché l'expérience, t'as gâché l'expérience. Ouais. L'expérience. Ouais, je peux faire. Merci, Art. Merci, Art. Il est trop vénère, ce type. Alors, si on veut faire une épée, faudra faire des aiguilles de moustique. Oh putain, vol de vie. Vol de vie, c'est bien, ça. Ouais, c'est... dans les gens, en général, on aime bien. Ouais. L'arc insecte. Il nous faut des chimissaires d'araignées. C'est gros. Hein. Des chevissères. C'est clairement un morceau d'araignée. On voit clairement une morceau d'araignée loup. Genre, d'araignée, ouais, donc c'est. Pour faire l'arbalète. Putain, les dégâts de l'arbalète, c'est incroyable. Il nous faudrait des parties de plumes x 6. Et après, il faut pas grand chose. Et les flèches à plumes, il faut. Une... ok, il faudra choper des plumes. On va vraiment farmer des plumes dès qu'on en voit. Bah ouais, avant, on pouvait peau. Outil de réparation, on n'a pas besoin de le faire, mais on fera un jour. Lanterne. Il nous fait des brins de Valinéry. Leurre, on s'en fout. Ah, putain, leurre si on se fait une grosse araignée et tout. Dac d'arachnide. Ouais, clairement. A mon avis, faut farmer les araignées. En fait, on a été cons, on aurait pu savoir depuis très longtemps ce que c'était que la Valinéry. On n'a pas fait attention, je pense. Tu me dis que c'était de l'herbe, quoi, en gros. Ouais, mais c'est face. Sous l'eau, et en fait, effectivement, là, je suis sous l'eau. Et je regarde, effectivement, elles sont un peu profondes, mais on est passé à côté, on n'a jamais fait attention, juste. Attends, comment on pouvait pas faire le tuba et tout, on pouvait faire de tout ça. Bah non, tant qu'on n'a pas cette merde. Donc
Bah branchie, ouais, il nous faut les bras. Bon bah on va se faire un peu violence, on va aller choper. Si je saute dans la flotte, tu crois que je meurs? En fait, non. J'ai déjà pris des dégâts, mais... Putain, je suis mort direct. Non mais ouais, je suis à côté. Oui. Je remonte, je remonte. Oh, vas-y, je le vois même pas. Il attends. Et sauter de où? T'as sauté de où? Faut que tu me dises, tu vois pas. De la base dans l'eau? Je te vois pas, hein. Je te promets que je te vois pas. Ah mais je suis mort d'un coup en fait. Je t'ai pas là, vous savez, j'ai envie d'y penser mais... Bah si t'es à côté de la base, tu peux récupérer ton sac à dalles. Oui oui, mais je vais construire un trampoline pour sauter de ce côté là. Faut pas en vrai. Oui, ça me fait rire. Corde de soie, putain, il faut... En fait, je préférerais faire. En fait, je vais me servir plutôt des trucs d'araignée pour faire des. Pour faire des trucs. Pour récolter la rosée. Alors, j'ai pas de sac à dos. Ah oui, je m'étais vidé, je crois. Manu Cortan, des bisous! Ok, bon, allez, on va dans. Ah, c'est les grosses herbes là? Ouais! Si on avait mis notre cam juste dessus, on aurait su le nom. En fait, ah il ouais, faut plonger. Hein. Je vais une analyse. Comment on respire, putain? Ah bah, on respire pas, hein, en remontant. C'est officiel, c'est là que c'est la meilleure. Oh, ça, on le savait. Merci, hein, c'est très gentil. Nickel, c'est une bulle, mais au poil de huc. Hein. Alors, j'en ai coupé, mais je sais pas si je l'ai récupéré. T'en as, ouais, t'en récupères, ouais. Moi, j'en ai fini récupéré comme ça, et aussi en cliquant dessus, les deux. Ouais, voici. Je récolte près du tuyau. Ouais, y a une bulle. Oh, y a une araignée de ce côté, ça dégage. C'est officiel. C'est l'ox la meilleure. Et un titi, oh, ça, ça fait pas chier. Attendre un délai minimum de 4 heures pour ta fille quand même. Bon, effectivement. C'est peut-être plus safe. Ouais, j'analyse pas souvent des choses, je suis contente quand je le fais. Je me sens utile. Repère flottant et fibres végétales. C'est tout pourri. Attends, elle est analysée? Ouais. On peut fabriquer un tuba et des palmes. Ah, j'ai tué une punaise d'œuf, j'ai une nageoire. Pour les palmes, ça. Ah oui, et en plus, faut les tuer. Ah, il y a l'araignée. C'est hurlement des enfers, là. Attends, attends, elle me suit. Bah oui. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est stylé. C'est bon. Elle était à deux doigts de nous choper, hein. Ah, ça me met dans des états, c'est terrible. Hein. Tu me demandes si je suis pas un peu arachnophobe. Leur vue te plonge dans le désespoir le plus total. Non, mais quand elle me suit, elle est encore là. Lox, fais quelque chose, va dans l'eau. Oh putain, elle me suit. Moi, je fais des palmes. Non, mais aide-moi. Non mais t'es très proche, tu attends un petit peu qu'elle s'en aille et puis c'est bon là. Débrouille-toi un tu peu veux hein. Pas sauter dans l'eau et l'attaquer vite. Non. Ah oui t'es chiante. C'est toi qui es chiante. Quoi, je récupère les trucs de fou et tout qu'il faut là. Faudra de la... Ouh. Oh putain. J'aime pourquoi il y a un coq. Non mais c'est Hertz qui a fait une alerte. Oh, elle dure une plombe. Ah, et ça commence par un coq qui hurle et c'est la what? Bien fait pour toi. Qu'est-ce que bulle? Mais c'est ça qu'il faut là. Oh punaise. Merci beaucoup. Merci Hertz, trop gentil. Je sais pas pourquoi faut te remercier. J'ai fait un tuba de valinerie mais il faut
Ou je l'ai pas fait en fait. Non, je l'ai pas fait. Mode d'armée des gens. Oui. La danse de la poule mouillée. C'est pour Angie ça. Un de nul. Vous tout rangé. Vous seriez avec nous là, vous croyez moi les malins là. Je suis sûr que j'en entendrai quelques-uns gueuler aussi. J'ai raison. Tu dis trop des mots toi. Probable. Alors attends. Les gens aiment juger, mais quand ils sont jugés eux-mêmes, c'est pas pareil. Je fais un fight tranquille dans Genshin, j'attends un hurlement d'envie. Oui, bah là du coup, c'est une araignée dans l'eau. Elle ça n'a une prignée. Non, non. Mais quand c'est réducteur, pas du tout en fait, c'est bien pire que ça. Bah si, c'était une araignée dans l'eau qui te suivait. Oui, voilà, mais elle voulait me tuer. C'est oui, mais pareil, en quand fait, même. Dans plein de jeux, il y a des trucs qui veulent nous tuer. Ah oui, bah du coup, t'as failli mourir quand même, non? Enfin, une fois, tu hurlais à chaque fois, c'est compliqué quand même. Mais je hurle pas à chaque fois, elle m'a suivi longtemps. C'est quand à un moment, je me suis retourné, qu'elle était collée à mon nez, que ça m'a un peu stressé. Bah oui, c'est ça qui est surprenant. Je l'avais pas vu en plus. Enfin si, je l'avais vu, mais elle était gavée loin. Ah, on double notre temps de plongée avec le tuba. Ah, c'est cool. Mais moi, j'ai plus de soie. Pour en faire oui, un. Oui, bah je refais. C'est pour ça que je fais une deuxième machine, mais il nous faut des morceaux de fourmis rouges. Ça me met hyper mal à l'aise la flotte en fait, j'aime pas trop. T'es qu'à me laisser le tuba. Et pourquoi tu peux le faire le tuba, tu peux le craft? Bah non, j'ai plus de soie. Donc il faut des fourmis rouges. Non mais il y en a... Bah, va dans le truc à soie. Bah tu m'as dit il faut des trucs à fourmis rouges, je comprends plus. Oui non mais parce que pour construire un deuxième truc pour faire de la soie plus vite. Comme t'as vu je les ai mis sur la droite là. Les bestioles. Oh putain! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Oh putain, non, il y a l'araignée! Ah, je suis loin, je suis super loin, pas me. Il fait nuit, hein? Ouais, je me tire là, tu crois que je fais quoi? Je sais pas. Un tétard en plus qui m'agresse, je te défends. Ah non, mais non, d'accord, on peut pas dormir avant 23h et 19h, vas-y. Bah oui, t'as trop dormi. Ok. Oh la vache. Alors il y a un truc sous la flotte, ça ressemblait. Je sais pas si c'était un poisson énorme ou un. Une grenouille ? C'était un dinosaure, mais non. C'est possible ça ? J'ai vu les yeux rouges et tout. Ah bah non, mais moi j'y crois. T'as pris ta soie, c'est bon ? Ouais. T'as trouvé des fourmis rouges ? Ah non, j'ai juste pris ma soie, crafté mon truc et moi aussi je vais explorer l'eau là. Pas que trop toi. Tard, hein. Je le faisais sans toi. J'avoue, on tient beaucoup plus longtemps. J'ai hâte de me faire des palmes pour être plus rapide. Oui. Ah, j'ai pu le faire. Tu m'en fais ? Non. Annie, s'il te plaît ? Non, je peux pas. Il faut des nageoires de petits cons là. Pourquoi tu me détestes ? De punaise d'eau, oh pas puce d'eau mais punaise d'eau. Trop cool, il y a un énorme creux où c'est encore plus profond. Oui bah c'est de ça que je te parle. Bah, c'est un creux. Attends, il y a des araignées hein, sur le chemin. Bonne nuit Grisou. Oh c'est terrible cette affaire, il y en a partout. T'es où là, Ox, t'es où? Au centre de la barre. Viens, on va dans le creux là. Ouais mais je vais respirer un coup avant de replonger. C'est bon là j'y vais. C'est tout vert, t'as vu? Je devrais y aller en mettant dans les bulles. Ah c'est un jouet. Oh t'as une araignée sur toi. Ouais je sais. Là que je retourne toi, il va falloir qu'on la tue. Non mais je me retourne pas, c'est bon, elle va se lasser. Non elle est venue sur moi mais je te déteste. C'est comme sérieuse si, comme si je pouvais le prévoir.
Oh, il y en a une deuxième, je crois. Elle fait quelque chose. Elle fait tout. Mais putain, pourquoi c'est moi qui la suive là? Ah, j'ai rien à faire. Elles sont attirées quoi, par la peur. Ah ouais, elles sont là-haut. Regardez comme elles sont stylax. Ça a rien stylé du tout là. Tu t'es barré, tu m'as saoulé. Hein. Mais j'ai continué, moi, contrairement à toi, je continue ma route. Bah oui, mais je suis venu pour t'aider. Parce que bah je t'ai jamais. Alors, non, je t'ai rien demandé. Je t'ai dit, elles vont se lasser, laisse. Et toi, tu fonces dedans. Mais j'ai pas foncé dedans, je suis venu t'aider, ça va. Mais bon, y bah, y je t'ai pas besoin jamais, de m'aider. En fait, c'était un dinosaure jouet. Ouais, oui. Oh. 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 That's what we got. Écaille de carpe koi. Trouver une écaille de carpe koi. Il y a des bulles là. Oh. Oh, 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 oh. Comment ça me pousse vite. J'ai un problème de respiration moi. Ouais, je vais avoir un problème de respiration aussi, je crois. Oh, dis-moi que c'est ouvert, dis-moi que c'est ouvert. Ok. Ok, ok, d'accord, c'est ouvert, c'est bien, mais. 15 secondes, faut vraiment que je trouve un truc. J'ai giga sauce sinon, c'est fermé. C'est fermé, giga sauce là, hein. D'accord. Hein. Oh putain, Lox. Là que ça fait quick. Putain, je vais crever aussi. Putain, mais c'est horrible. Les bâtards, viens, on dort. Mon sac, il sera là. Putain, on peut pas. Oui. Oh non, on pourra dans 2 heures, quoi. Oh la vache. C'est ridicule. Bon bah, je cherche mon sac. Tu veux des fourmis? Quoi? T'as pas remarqué que j'étais dans l'eau avec toi, connard? Oui, c'est vrai. Le mec, il est en boucle, on dirait Trapile. Non, parce que je suis arrivé à la base, t'étais morte avant moi. T'as été utile. Ouais. Bon, moi, j'ai récupéré mon. Attends, j'ai plein de trucs à analyser. Non, mais viens, faut défoncer. Viens, on a 2 heures, faut défoncer de la punaise. Pour que tu puisses faire les nageoires. Ah, il y a du tétard aussi pour là. Parce que c'est facile, c'est ça? C'est parce que c'est facile. Ouais, viens, on cherche des. Oui, je cherche, mais je vois rien. Et je cherche, je cherche. Je cherche à fond. Une fourmi, tu me dis. Ah, j'ai trouvé une puce là. Là, je la vois où je suis. On est un peu non, loin, mais je la vois. Puce, c'est une punaise de. Non, c'est des puces qu'il faut. Non, c'est des punaises. Non, c'est des puces, c'est écrit au-dessus! Oui, mais c'est les punaises qu'il faut tuer. Moi, c'est la nageoire sur les punaises d'eau que j'ai eu. Ouais, mais il faut qu'on donc tue les puces. Ah, les trucs translucides. Oui, mais il faut qu'on les tue quand même, les puces. Pourquoi? Mais t'es complètement taré. Pour une quête, espèce de connard. Ah, mais d'accord, mais moi je te parlais pour les nageoires, pour que tu fasses les nageoires. Ah oui, moi je pensais que tu parlais de pour la quête. C'est de salope. Ouais. Essaye pas d'être gentil. Écoute, on tue ce qu'on veut, ce qu'on ce qu'on peut. Si tu vois. Mais attends, mais on se balade comme as alors qu'il y a pas la putain de carte. Ouais, moi j'ai une araignée moi. Ouais, fait pas très mal. Je suis plus tendu par contre. Fait pas très mal. Essaye de me la faire. Toi tu réagis même pas. T'as un démon des enfants. Ça me rend fou, ça. Ça me rend fou. Oh, je respire. J'ai une araignée, on se fait des guillis. Ah mais elles sont pas. Franchement elles sont tuables hein. Je me doute mais c'est le problème c'est quand elles te prennent en traite que tu commences à te taper et que t'as pas réagi que t'es dans. C'est ça qui est horrible en fait. Se préparer à attaquer une araignée ça va. Mais subir l'attaque d'une araignée par surprise c'est monstrueusement horrible. Oh merde putain. Je vois rien, c'est insupportable. Qui vient tu que c'est? J'ai trouvé un anneau. Dans l'eau, une bague, clairement une bague de fiançailles ou c'est une brave et jolie. Vraie jolie bague. Ouais, ça c'est Smeagol ça. Il me faut une bulle. Il me faut une bulle le jeu, merci beaucoup. Franchement ça va, nos sacs à dalles ils sont à la surface à chaque fois.
tu quoi qui m'attaque. Non mais il y a deux araignées. Allez, allez. Allez, je vais t'aider. Des fesses, je me casse. T'es où? Je te cherche, je te vois pas. Ah oui, voilà. Vas-y, on la défonce. On a marre tes araignées. T'es à 300 cm là. Bon, ouais, mais on nage très vite. T'as mieux. Bah viens vers moi. Non mais attends, on peut pas aller se coucher plutôt là, ça m'emmerde. Et quelle heure? De rien voir dans la flotte. Ouais, par contre on voit air de fou, j'en peux plus aussi. Ah mais plus 2 c'est hyper solide. Par rapport à la taille du machin, ouais. Bah attends, je rentre et je vois si on peut dormir. Et quelle heure? Ah c'est bon, on peut dormir. Ouais, je tue juste une puce d'eau, je suis adorable, j'arrive. Une petite puce. On pourra boire. Oh l'eau de la nuit, fou la vache. Ouais, comme un expert a dit, l'eau la nuit ou la vache. Hein. Il y a eu un clip qui s'appelle La Fraternité. Je le sens mal. Je le sens très mal. Surtout vu nos récents débats. Allez, Satan! Je suis pas trop trop loin. Attendez. Ah, je sais pas, en tes manières. T'as une araignée sur toi. Ouais, Locke, retourne-toi. Tu sais, on se rend pas toujours compte de ce qu'on dit. Donc, malheureusement, quand t'es filmé comme ça, ça. Attends, je regarde. Même pas, c'est bon, elle va se lasser. Non, elle est venue sur moi, mais je te déteste. Oh, t'as une araignée sur toi. Ouais, je sais. Locke, retourne-toi. Il va falloir qu'on la tue. Non, mais je me retourne pas, c'est bon, elle va se lasser. Non, elle est venue sur moi, mais je te déteste. Non, ça va, il est gentil, celui-là. Il est gentil, ce clip. Ah ouais, bon, j'ai entendu, c'est quand tu m'abandonnes. Il est gentil. Comment que ça je me... Comment ça? Attends. Il est gentil, il n'y a pas pire traîtrise, en fait. C'est un truc de fou. Non, mais t'es incroyable. C'est moi qui suis poursuivi par une bestiole, juste j'avance. C'est moi qui t'aide, et c'est toi qui te mais barre. Mais tu oui, m'aides tu pas du tout. Tu as raison, Léa. En fait, tu fonces derrière moi et après tu t'étonnes que le mob, au bout d'un moment, il te voit et il t'aggro. Ok, alors là. Alors, ça sert à rien de dire alors là, juste parce que tu sais que j'ai raison. Non, non. J'ai raison. Ah, araignée loup, fais chier. T'es fourmi ou pas? Et non, tu non, en mais vraiment. Je... Non, mais parce que tu vas là-bas, c'est pas une blague, bordel. Bah, c'est vrai ou pas? C'est possible, non? Mais non, y a même pas de fourmis en trou! Ouais. Parti chercher de l'eau. T'as trouvé des fourmis! Eh, arrête, hein! J'en peux plus de cette phrase! Et je te demande, y'en a par là où t'es! Donc, dans le doute! Elle est gonflée celle-là! Non, tu me dis pas, tiens, regarde, s'il y a des fourmis, à chaque fois c'est t'as trouvé des fourmis! Constamment! Genre, je viens à peine de sortir de la base, il y a à peu près 15 secondes, de trouver des fourmis. C'est jusqu'au labo. Tu au labo, il y a une araignée loup. J'ai trouvé des fourmis, vu que personne peut le faire. Nuit, t'as trouvé des fourmis? Oui. Presque. Tu veux que je t'aide? Faut pas les trouver. Je te demande pas de réponse. Mais tu. J'ai dit, t'es un peu en boucle quand même. Ah, j'ai trouvé des fourmis. Ah là là, c'est rigolo. Mais bordel! Elle me caille. Oui, quand elles ont plus de vie. Non, elle est fou, je la suis, je tape tout dans le vent. Moi je peux aller explorer dans l'eau? Ouais, vas-y. Ouais. Ok, c'est parti! J'avoue que les petites fourmis à tuer, c'est devenu plutôt facile. Ouais, tu les défonces? Ouais, trois coups avec la ah, grosse machine. Il nous faut des petites. 10 tics, enfin, des punaises d'eau. Oui, c'est ce que je t'ai dit pour les palmes. Il faut ah merde, j'ai pas mis mon couteau. Attends, je vais arriver là, ce n'est pas peur. Elles ont... Oh merde, l'araignée elle me fonce dessus pendant que je tape. Ça se fait pas, arrête. Je la défonce. C'est quoi ces bruits que j'entends là?
jeux vidéo. Oh merde, son dos, ça fait chier par contre. Ok, bon, j'ai un morceau de fourmi, faut que j'en tue une dernière. Elle te repère de très très loin, ces araignées. Boum boum boum! On va mettre un petit bandage. De toute façon, faudrait qu'on en tue au moins une d'araignée comme ça. Ah, mais attends, j'avais des trucs à analyser, moi. Putain, je suis dans le labo, je suis pas allé analyser. Bon, je ferai plus tard. Bon, c'est bon, j'ai tué des fourmis. Voilà, viens me faire une araignée, j'en peux plus. On chie. Allez, viens, la pétasse. Oh, le troisième coup, il one shot en fait. J'ai raté les deux premiers, le troisième, il one. Quand t'attaques une fourmi, quand même, il y en a beaucoup. T'attaques en retour. C'est bon là. Oh non, mais elle te touche de trop loin. Les araignées, c'est dur. Faut qu'on... À deux, ça ira. Ouais, à deux, ça ira, ouais. Mais faut pas qu'il y en ait une deuxième. Ça, le problème, c'est parce que tu kites beaucoup quand t'es solo. Et du coup, bah en fait, elle te repère très loin, de très loin, donc c'est chiant. Après, ça se trouve, les habits d'araignée là. Je me dis, elle donne peut-être. Ça donne peut-être du matos en tout cas. Ah, par contre, le truc de vie, il met trop de temps à me régénérer. Ah, on doit faire des vrais plats aussi. J'ai vu que ça ah oui, des mais il faut faire une. Je pense qu'il faut carrément fabriquer une cuisine, donc faut voir ce qu'il nous faut comme matos. Okay, je pense qu'on a eu un nouveau. Fait ça vite fait, comme ça après on va explorer dans de meilleures conditions. Ça va pas être très long, de toute façon, s'il nous manque des trucs, on les trouvera très vite. Ouais. En plus, on a en vrai, attends, à force de récolter un peu toutes les choses qu'on trouve, ça va forcément avoir un petit impact sympa, je pense. Il fallait combien de nageoires de machines pour faire des palmes? Parce que 4, moi, j'en veux c'est un peu chiant. 4. J'aurais tué au moins 5 ou 6 des trucs pour. J'en ai 5. Ah, oh, bah c'est bon alors. Je crois qu'il en reste 2 à la base. Ah, je suis pas sûr. Peut-être une. Je crois que j'en avais farmé une en rab en plus, la nage. Tu me dis, il en faut que 4, donc pas de rab. Non mais moi j'en avais une en plus. Mmh. Ah vérifie, t'es pas sûr. Mais t'en as des palmes déjà ou tu en as pas faites? Ouais j'en ai ouais. Palme. Oh il faut de la sève de nénuphar, mince. Je vais en chercher. Y'en a plus? Ah ouais. On en avait pas beaucoup, parce qu'on n'avait pas à récolter d'un. Ouais. Voilà. Bon j'ai les têtes, donc je peux mettre un deuxième truc à faire. Mec tu lui fais du mal depuis qu'il y a une vie avec ton âge. J'ai fait rien du tout, je me fais poursuivre par des mobs, ils foncent dans les mobs, voilà. C'est vrai qu'il y a un genre de vengeance, je trouve. Moi j'ai trop exploré sous l'eau. Donc, tellement d'amour à donner. Ah bon. Ça, rien. Et bah dans ce cas là, ferme la bouche. Lox ou net? Where is Lox? Je joue. Je suis en Belgique. Alors. Bon, j'ai mis plein de soie à faire. Des palmes. Ouais, je peux faire des palmes. T'es carrément plus. Bizarre avec ton truc dans la bouche, toi. Putain. Bon, la cuisine. T'as regardé, t'en as occupé. La cuisine, c'est moi, Ismi. Oui, je sais. Alors, lisier de champignons, on peut en faire avec les petits champignons de base. Avec les gros champignons, ça en fait fois 11 de. Ah oui, ça en fait 11 d'un coup. Attends, je vais en faire. Ah, mais il faut la cuisine, merde, c'est ça, d'accord. Bah, fais la cuisine. J'arrive, je la fais. Oh, j'ai faim en vrai. En vrai ou en vrai? Attends, je voulais faire un collecteur de rosée aussi. Ouais, je vais faire un analyse des trucs. Ok. Ah, j'ai peut-être des choses à te filer, non? Non. Non, ça, non. Je vais analyser. Moi, je m'occupe de faire les trucs d'hommes. Alors, la cuisine, c'est où? Séchoir à viande. Putain, 5 bouts de bombardier, mais quel abus!
Sans déconner, il faut au moins buter deux ou peut-être trois si t'as pas de chance. Plein de trucs à analyser. Ah, c'est trop bien. En cuisine, on peut la. Ah, il faut une glande calorifique. Bah attends, on en avait une. On en avait une glande calorifique. Elle est où? On peut faire une armure en coil. Putain, il faut tuer un bombardier là. On sait qu'il y en a un pas loin, on y va ou pas? Comment ça on sait qu'il y en a un pas loin? Bah juste sur la gauche au final, on a vu. Pendant la nuit là. Et on y va vite fait, ça va être pas être long. 20 minutes et tout. J'ai pas assez de matière grise. Viens, t'analyseras plus tard la suite. Tu me rejoins. Oh putain, le corbeau! Il tire une flèche. Ça, il s'en fout. Il m'aurait attaqué, ça aurait été relou. Bah, c'est vrai. Bah, l'attaque pas toi. Oh non! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais pourquoi il y a une bigaranie ici? Mais d'où? Mais putain! Ça m'a surpris! C'est moi qui lui ai dit d'y aller. C'est trop nul des fois. Ah bordel de fou. C'est officiel, c'est Lox la meilleure. Comment on passe ? Ah c'est trop chiant. Oh non mais tu te connes en plus maintenant. Non, les petites araignées on les a inspectées au moins. Ah bah c'est. Ouais c'est une Orbitelle Junior. Résistance en palais frais. Comment ça va ? Elle m'a pas vu. C'est vraiment de l'horreur. J'avoue, c'est trop l'horreur. En fait, tu sais, Lox, comment on. T'es où? Tu me rejoins? Pour qu'on aille tuer notre bombardios? Oh ouais, mais bon, flemme d'aller trop loin. C'est pas trop loin si on va là. Oh là 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 là. Ah, c'est ça la plante que tu disais, l'Adventis, c'est plein de. D'accord. Ouais, tu peux casser des Adventis, ce sera mieux. Viens voir Lox, regarde où je suis, tu me vois d'ici, on peut monter là-dessus. Et ça sert à R, voilà. Mais il y a plein d'araignées là aussi. Mais sur ça, si on passe là-dessus, on sera... On les évite toutes. Non mais c'est super loin. Non, c'est juste au bout de la haie. Vraiment, c'est au bout de la haie. Mais oui, bah c'est loin. Ça va, mais qu'est-ce qu'il a fait? Oh, je suis pas en mode de côté. Oh non, mais fais pas ça là que je suis crevé. Bah non. Bon, je t'accompagne. Ah, elle dort. Elle dort tout le temps en fait, jour et nuit. Oh putain, il y a des petits cons derrière. On s'en fout, on s'en fout. Oh non, mais sérieux, ils arrivent à nous tête, tu vois. Ils arrivent surtout à te tête, toi. Attends, j'assure, on esquive. Ah, une grosse Lox. T'es où, Lox? Comme c'est une grosse Lox. I mean, this is probably what bottled water is. Là. Faut contourner le lait. Ils étaient là. Ils étaient juste là, tu vois. Il me semblait. Putain, là, on n'en voit pas. J'arrive. Sérieux? Ah, si, si, il y en a. Ah, ils sont là. Ils sont deux. T'as attaqué lequel? Bah... Tiens, lui très là. Très vite lassé. Il bouge pas trop là. Ouais. Oh, merde, j'esquive mal. Quand t'as rien qui te bloque dans le dos, c'est aussi plus facile à esquiver. Ah voilà, ça dépend pour qui. Non, mais j'avais justement un truc qui bloquait. Père, il m'a hit. Oh, je suis dans le jeu. J'ai envie de faire un truc, c'était pas bien au pire.
pourquoi tu as un bombardier déjà? Ah oui, la bombe qu'elle a reçue. Oh, il se barre, il se barre. Putain, il avait reset ce petit con. Alors, on en a une. Parce qu'on en avait qu'une sur tous les bombardiers qu'on avait tués. Ah. Bon bah, c'est ah, mon bombardier est juste là. Go, hein. Attends, le bombardier est juste là. Ah ouais, on fait. Okay. Ouais, go go. Bah, il est pas. Je trouve la zone est pas trop mal pour les attaquer, non? J'ai récupéré des flèches parce que j'en avais plus que 20. Non, j'en ai plus que 20 d'ailleurs. Récupère celle que j'ai. Burst, c'est pas mal. Ouais. Ça fait vraiment mal cette masse, même s'il est résistant à ça en fait. Je vais essayer de le finir. Tiens, yes. Oh non, le gaz. Attends, attends qu'il se barre, je te reste. Moi je vois plus sur mon écran le gaz. Je sors de ma sieste, c'était bien ta sieste, Mindy. J'ai je sais pas trop ce que m'a tué en vrai. Bah t'étais en plein dans la zone blanche. Moi je t'ai vu, c'est pour ça que j'ai pas voulu venir. Moi j'ai pas vu moi. Bon, je sais pas si on ajoute une deuxième glande, ça aurait été mortel. Oh on en a une deuxième, ouais ça c'est trop bon. Bon bah viens. Mission accomplished, Lox. Tiens. Pour récupérer toutes les flèches. Ah on peut couper un peu les champis si on veut. Pourquoi faire? Bah en fait les morceaux de champi nous font faire 11 repas d'un coup. Mais ça a l'air d'être des repas qui font partie d'un autre d'autres repas, tu vois. Ok. Mais t'as laissé plein de flèches derrière. J'en ai 40, donc 47. Tiens. Ok, bon je commence à repartir Lox. Ouais. Il y a Vendels. Oui. Elle est unique. Les petites acariens de mes couilles là. Je vais les tuer pour passer ma rage. En plus, ils essayent de taper des petits pucerons qui sont dans. Ils essayent de tout taper. Ils ont grimpé sur les herbes là, tu sais. Par contre, il n'y avait pas la punaise, non? Je suis bien content de ne pas la voir. Mais... Ok, on pourra aller vite dans l'eau. Il est pas trop tard? Il est 16h, faudra pas trop traîner. Putain, il est 16h déjà. Mais oui! Bah oui, mais on n'est plus rien, il fallait. Mais oui! Et en vrai, il va falloir qu'on tue les araignées, fais chier. Oh. Parce qu'on a plus de soie pour faire des soies d'araignées, on a quasiment plus. Chanson ici, cassez-vous. Ok. Ah mais c'est des amanites. Ah bah oui, j'ai coupé une amanite, c'est pas les mêmes champis. Les amanites du mouche. Yes. Du coup ouais, moi je vais analyser. Bah oui, c'est ça, moi aussi il faut que j'analyse un truc. Je peux te filer un truc si tu vas. Ouais. Ça n'a aucun
effort, quoi. Qui comme il me jette ça dans la gueule. Il y a la moitié qui est tombée. Il y en a sur le côté, là. Ah oui, bah ça, tu les prends. Ça a aucun effort. Mais non, mais c'est pas rien. Tu peux pas split et tout, c'est trop chiant. C'est le jeu, hein, qui est pas très pratique de mais ce côté. Mais si, tu peux split, t'as écrit. Comment? Diviser la pile, jamais vu, hein. J'ai tout essayé, il y a des trucs qui a écrit. Mais quand tu fais F, en fait, ça te drop un truc. Je jure, là, wesh, voilà. Vas-y, prends un objet, fais F, ça va le drop qu'une seule fois. Ouais, bah, enfin, il me semble que c'est F. Ah, faut me le dire en même temps. Faut me le dire pas. Pas deviner. Hein. Lisier de champignons. Pas fou. Je fais un coffre de brochettes, on a trop. En même temps, c'est pratique d'en stocker. Yo, Morfufu! Bon. Les glandes, donc c'est bon, donc on peut faire la cuisine. Vas-y. Simple aussi. Ah non, il faut des plats. Ah, la cuisine, je la mets. Bah, je la mets là. Je passe du truc. Moi, j'ai pas découvert grand chose, hein. Ah ouais? Ouais. T'as été décevante, quoi. C'est ce que tu veux dire. Dis-toi la décevante. Oh là là là, la cuisine! Ah, il faut de la viande séchée pour faire des trucs. Alors, bien nourri repas plus feuille morte. À carpin, bien nourri repas, endurance de combat. Ah, c'est pas mal. Il faut de la viande de puceron séchée. Donc, il nous faut le truc pour sécher la viande. Je sors la viande et je peux le faire. Il est big, putain! Ça manquait de place. Hein. Non, mais attends, les coffres, c'est trop de la merde aussi. Ça fait, là. Ah, tu les as mis en cercle? Oui, mais c'était pour avoir accès. Je peux pas mettre. Enfin, c'est chiant. Parce que là, ils sont bien en fait. Où ils sont proches et tout. Attends. Déjà, qui a placé ça là? Ça, c'est là que je reconnais à foutre bordel. J'ai rien fait. Voilà. Et je vais en détruire un. Ok. Donc là on est pas mal comme ça. Et les coffres. Où est-ce qu'on pourrait les mettre? J'ai plein de bouffe, t'en veux? Là je n'ai pas trop besoin. Ok. Et la viande, je vais la mettre là alors. Ok. Donc si tu peux mettre de la viande avant, faut pas trop la cuire, faudra la mettre à sécher la viande. Je pense qu'elle se conservera plus longtemps en plus. Ouais. Mais j'avais déjà mis à cuire avant et j'ai pas pu la récupérer. J'ai mis un puceron. À sécher. Je vois combien de temps ça met. Ouais, les pucerons, il y en a tellement partout. Et au niveau des coffres là, comment je pourrais faire? C'est pas pratique tout ça. Les coffres, on peut pas les mettre sur le côté là-bas. Ça, on bouge. Ça, c'est gênant. Là. Tout l'escalier.
Voilà, comme ça, ça se gêne pas. Et les coffres, on pourrait être là. Et les tentes, je les fous ailleurs aussi. On fout, je les mets à l'étage. Oh non, non, faut que ce soit facile d'accès. Ouais, mais c'est que ça gêne. Mais en bas. Ah, faut que tu sois rapide quand on va dormir. Et on va de dos. Ça c'est le truc d'arme, je sais pas où le mettre. Je vais le mettre à l'écart, tiens ici. Ouais. Mais ils sont à l'envers, merde. Et on va de dos. On va du dos. C'est ma tante ça. Anyone else tired? Just me. Oui oui. C'est hibernateur. J'ai été gentil quelques minutes. Pas déconner quoi. T'es pas gentil très souvent. Ah j'ai pas vu notre base, tu m'as déconcentré. Ah on a le truc de puceron chassé. De puceron chassé? J'ai fait exprès de toute façon. Ouais. Et donc je peux faire la cuisine. That voilà. Tastes really good. Je peux faire la formule à carpin. File d'attente. Ah ça va être long. Bon bah bon, on laisse. Comme on a dit les repas ils seront valables pas longtemps l'ox. Ouais. Et peut-être ils donneront des pretty bonus good. ou de la vie en plus et tout. I mean this is probably what bottled water is. On est pas mal. C'est quoi qu'il fallait qu'on fasse maintenant? Qu'on aille chercher des nageoires et tout, non? Qu'on aille dans la flotte, quoi, un peu. Ouais, qu'on explore sous l'eau et qu'on fasse peut-être un truc de rosé pour le côté pratique. Ah oui, c'est bon. C'est... Ouais, je voulais le faire. Je l'ai fait. Des pucherons séchés? Oui, des pucherons. Mais à mon avis, faut pas que ce soit en intérieur, ça. Je le mets au-dessus. Construit. Ok. Bon, on le laisse. Hein. Ce sera toujours un truc pratique en plus. Je pense. Ouais. On pourra mettre un pot en dessous et tout, ça se trouve, on pourra peut-être. Mais si c'est pas du tout. Sauf si c'est y a pas un pot déjà en dessous là. Non. J'ai vraiment juste la une grande toile. Ah, peut-être que. On verra. Le réservoir à liquide, il faut le mettre en dessous, peut-être. Ouais. Bah, son. On verra. Ça serait. Putain, ça serait pas mal parce que ça veut dire que je peux le mettre au-dessus, je fais juste un trou. Ouais. Oh, ça serait trop bien. Bon, on verra. Bah, moi je suis prêt, Locke, si tu veux. Ah, moi je mets pas de. Attends. Bah, ouais, c'est pour ça que je suis allé au labo. Tu peux pas les faire. Si. Je les ai faites, je les ai juste mises dans le coffre. Pour me protéger un peu. Accessoires. Mais merde, il y a encore mon truc qui. Mignon. Attends, il y a une fourmi. Je vais me faire aussi des soins. Ok. Et si tu vois des chars en soie des pucerons, n'hésite pas à les buter. Ok. Pour que. Enfin. Si c'est puceron. C'est juste pour qu'on puisse. Les mettre à sécher, tu sais, pour faire des plats. If it on the move. Ok. Alric. Putain, mais il passe sous les grosses herbes. Tout à fait. Il me devance ce bâtard. T'es où? T'es dans l'eau? J'essaie de choper un pucheron, non, j'essaie de choper un pucheron que j'avais vu. Pour mettre leur viande à sécher. Il faut quoi? Il faut cette lame là. C'est parti hein! Oui! Attends.
Eh, j'ai une araignée. À peine là, dans l'eau. On va faire plus de pièges, on avait dit. Bon, ça sera vite fait, on a tout. Je mets juste à sécher les viandes. Ok, c'est bon. Je pense qu'on pourrait se faire une araignée à deux. Fabriquer, je serai un trou, fire. Quoi, l'entrepôt, on peut pas. Les lasgobs, mais ça on trouvera facilement. Ok. Là, j'ai entendu. Est-ce qu'on essaie pas de se faire une araignée solo? Ouais, bah si. Là, elle est toute seule. Attends, tu crois que je fais pas la poule avec l'arc? Bah non, sous l'eau, l'arc. Sous l'eau, ça va être chaud. Si je suis en dehors, attends. Bah, reste au bord, comme ça, moi je tire à l'arc de loin. Oh putain, franchement, elle était très loin de moi. Hein. C'est abusé. Hein. Bon, j'arrive à la toucher, mais ça fait pas très mal. Bah si, ça fait très mal. Franchement, elle est déjà presque morte, non? Ouais, l'arc lui faisait très mal, mais par contre, c'est dur à viser parce que tu vois pas à travers l'eau. Yes, on l'a eu. Ok, fibre de toile. Ah, bah nice, il en fallait. Ah, et c'est elle qui donne les crocs. Bon, je m'en doutais. Ok. Ça aurait été abusé que ce soit les araignées l'eau. Bah, peut-être qu'elles ont donné aussi. Les tétards, faut pas en tuer. Ah, ça fait de la chair. Remarque, ça nous fait de la bouffe. Juste à dire, mais tétards, c'est mignon. Oui, bon. On peut. Après, les fibres de toile, c'est aussi les petites araignées de merde, tu sais, toutes petites grises là. Eh ben, elles en ouais, mais là, aussi. 3 d'un coup quand même. Hein. Et puis les petites, c'est souvent ah, qu'il y a 3 d'un coup. Autour. Ouais. Bon, les petites, tu peux les kite assez loin quand même, elles te suivent jusqu'au bout du monde. Tiens, j'en ai une autre ici qui m'en. Ah non. Mais je ne te trouve pas. Ah, c'est là. Attends, j'ai vu une puce d'eau, je vais peut-être aller la tuer. Ouais, faut punaise, puce, araignée, faut tout en fait. Bah, par contre, il y a une araignée qui va te voir. Ah merde, dis-moi. Ah, je la vois, je la vois. Elle nous regarde. Ah non, elle a fait demi-tour. Personne, putain. Ok. Ça va nous faire on va sur l'araignée, on l'avait vu par là, là. Je l'ai vu. Oui. Dans... Ah, il y a une. Là, je la vois. Devant moi. On est. Tu vas ? Vas-y, poule. Faut pas qu'elle t'attaque, toi. Ah, là, c'est toi qu'elle a. On peut bloquer avec la dague aussi, oublie pas. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure. Putain, ça va. Mis deux coups quand même. T'as des punaises d'eau derrière toi, mais bon, elle t'attaque pas. Ah. De toute façon, les punaises d'eau, on n'a plus besoin. On a des palmes. Bah, oui, mais les nageoires de punaises d'eau, je crois que ça sert à faire le casque bulle ou je sais plus quoi. Il y a un autre truc. T'as vu que les punaises d'eau, elles ont de l'eau sous aux ailes. Elles ont de l'air. Oui, j'ai vu. Elles ont une bulle d'air. C'est trop rigolo. Ça te régène à chaque fois que tu es dessus. C'est trop fort. Ça te remet à fond. Eh, c'est fascinant, tu trouves pas? Moi, je trouve ça fascinant. Ah, on tue tout ce qu'on trouve. Donc, la fascination. Oui, mais c'est même, pour c'est... les analyser. Je récolte les trucs de nénuphar là qu'il y a dessous. Ouais. On n'a pas toujours. On y rentre, des bisous. Très bonne nuit. On y rentre. Bon, where is the colonel? Bah faut qu'on trouve des araignées encore en fait. Là, il y en a une devant moi, là, je sais pas si tu es pas loin. Ouais, je vais vers toi. Juste une bulle. Voilà, c'est bon. On est parti? T'es bon en respiration? Ouais. Putain. Il y en a une autre pas loin. Hein. Elle est morte? Nickel. Où est-ce qu'il y a des bubules? Oh là là, il y a une. Pour les nageoires. Attends, moi je dois aller respirer. Hein. Oui, mais en la tuant, elle. T'as respiré, bonsoir. Je préfère la safety. Ah non, ça te remet fou là. Tu la tues, c'est instant. Oui, mais si c'est toi qui mets le dernier coup, ou si ou ça. Non, mais on est... c'est la bulle, elle nous traverse. Attends, mais faut que tu les dis. Mais c'est pas grave. Ah, une araignée là. Il y a une araignée pas loin. Ouais. Ah, c'est tout ça. J'arrive, mais je suis un peu loin. Ça va ta vie?
Ouais, j'arrive à... Oh, y'a une fusée, ok. Faire des clics droits. Qui t'a perdu, je lui ai mis un coup pour pas que tu te fasses taper par deux ennemis. Je vais me régénérer par de la bouffe, moi. Sommé, voilà. 4 sur 10, putain, c'est long. Là, une araignée, on enchaîne. Ah non, ouais. On a pas d'eau. Pas besoin de bulles. Ouais, c'est vrai. Bah, va à la surface. Un coup, ouais, limite, on va aller à la surface aussi. Sur le remonte, regarde. Bah non, on redescend. Ça, c'est plus long. Une bulle te traverse, t'es fou. Là, tu vas à la surface, faut attendre 5 secondes. Oh merde, j'ai déconné. Moi aussi je vais. Attends, je me régène. Il arrive. Ok, c'est bon. Bah ça se gère à on deux. Ils ok. Ouais, en tout cas les crochets, il y a plusieurs crafts et c'est souvent par deux qu'il faut. Et moi des crochets, depuis le début j'en ai que 5. C'est que un par araignée, c'est un peu dommage j'ai l'impression. Bon par contre c'est systématique, c'est ça qui est bien. Ouais, fait un tout petit cri quoi, la peau en fait. Punaise d'eau, c'est choupi. Oui, on dirait comme des grillons d'eau. Mais en mode punaise. Bon, vous avez dernier ou pas? Eh, la carpe, on la voit plus. Je ouais. Me dis, mais on la voit pas la carpe. On a déclenché un truc comme tu disais la dernière fois. Ouais, tiens, tu veux pas qu'on descende pour voir un peu? Ah, tu veux qu'on tourne en bas là? On essaye? Ouais, mais. Ouais. Tu veux pas qu'on se craft le casque à bulles du coup? Je crois qu'on ah, peut maintenant. Ah ouais? Moi je crois pas, je crois qu'il nous fallait des sortes de. Hein? Voilà. Des arêtes. Ouais. Non, mais c'est cool. C'est clair quand tu parles, c'est bien. Il fallait pas des arêtes. Il fallait des arêtes abyssales, j'aime. Ouais, on en a qu'une. Ok, bon bah, venons, on y va, vas-y. Il paraît que c'est pas possible de manger sous l'eau, tu crois que c'est vrai? Ouais, je pense que c'est très compliqué. Putain, moi je suis sûr que c'est possible. Ah non, c'est dégueu, c'est horrible en plus, t'as la pression. Non, c'est chiant. T'es crade. Moi je pense que je peux respirer sous l'eau en vrai. Ouais. En plus, quand tu manges, c'est ça, tu es. Plein de choses. Ouais, non. Ok, attention, faut se faire pousser. Ah, ça a pas bien marché, ça m'a pas beaucoup poussé. Ouais, mais faut bien se mettre dans l'alignement. Ah, regarde, c'est quoi ça? Une pelle. Arrête abyssale. Ah bah voilà. Oh, trop bien. Quoi? D'accord, on sait à quoi ça ressemble. Non, mais j'y arriverai jamais, hein. Ça, ça nous fait remonter. Ah, ici on peut respirer. Oh, c'est, ah c'est, non, ça. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. J'ai cru. C'est l'horreur cet endroit. Non, on peut pas, hein, je t'avais dit. Hein. Ouais, il nous faut des. Il nous faut le truc. Hein. Ici, que tu vas arriver. Mais non, mais ici on peut pas respirer, c'est trop compliqué. Bon, ils sont pas salauds, mais quand on meurt comme ça, et ben notre sac à dos, lui, il est à la surface, et c'est vachement sympa. Putain, j'ai glitch, mais... Enfin, j'ai trouvé un remorceau d'air quelque part, on va dire. On sera des trucs à analyser. Ah putain, j'arrête de... Je vole l'air d'Envy. Yo. C'est agréable. Non mais on peut pas, il nous faudra le casque bulle justement. Ouais. Je pense. C'est peut-être capable de nous donner une ressource. Mais du coup faut trouver des arêtes et ça a l'air de trop fond. Ouais. Et avec la pelle alors. On peut y aller. Ouais. Je regarde déjà pas trop au fond, je regarde dans le mi-fond. Oh, t'as une araignée au-dessus de toi, mais t'as pas vu. C'est ça? On dirait clairement des crocs.
Ouais. Ouais, c'est une arête, c'est un os, mais c'est un os blanc quoi. Très visible. Non, ouais, viens, faut aller dedans. De toute façon, c'est pour ça qu'elle a ce nom abyssal. Hein. C'est dans le fond quoi. Ouais, c'est ah, qu'est-ce qui quoi? Y a un truc qui me suit, j'entends des bruits partout, c'est terrible. C'est les araignées. Non, non, je te suis oh, pas. Oh putain, je cherchais de l'air. T'es où? Je vais chercher de l'air. Ne me cherche pas. Fais des trucs. J'en ai trois sur moi là, tu veux que tu viennes? Bah non, il suffit. Oh, mais elles sont super proches là. Attends, je te cherche. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Non, j'ai raté la montée de nénuphar. Putain, j'arrive pas. Je panique. Non, mais c'est bon, elles te suivent plus. Je vois. J'entends de la musique. Oui, mais elles te suivent plus. Oui, oui, moque-toi de moi. Non, c'est vrai, je les ai vues. Bah, c'est sûr, je suis sur la terre ferme. Ah, bah, c'est pas ça. L'horreur. Il y en avait trop à n'importe quoi le jeu. Il est complètement taré le jeu. Et toi, t'es même pas avec moi quoi. Tu mais en fait, non, bah, je ratissais le fond. En fait, je suis parti avant toi. Donc c'est à toi d'être avec moi et pas l'inverse. Non, c'est à toi de venir dans les abysses. Mais j'ai pas eu le temps en fait. Tu m'as dit c'est dans les abysses, je fais ah bah ok, bah on va y aller. Et là, tu dis oh, t'es où? Et deux secondes quoi. Ouais, trois quarts d'heure plus tard, toujours. Et c'est de la nage. C'est pas du surf. Ouais. C'est long. Ouais. C'est pas du ski nautique. Il y a quatre araignées qui m'empêchent de te rejoindre en fait. Mais me rejoins pas. Franchement, me rejoins pas. Oui, je vais être dans les abysses. Mais oui, mais moi je sais où je suis pas dans les abysses. Je sais pas, j'ai loupé l'entrée, je sais pas où est. Ok. Tu fais n'importe quoi, je sais pas tout savoir. Je sais plus par où est l'entrée des abysses. Du coup, je regarde un peu quand même le fond classique au cas où il y aurait des trucs. Et il y a. J'arrête pas d'avoir un tout. Et là, c'est quoi ça? T'as tué une puce d'eau, j'ai. C'est, j'assure. C'est là où je suis. C'est bis. Ok, j'ai une bulle, c'est pas mal. Écaille boueuse. De carcoy, ça t'avais déjà trouvé, je crois. Ouais. Je trouve plus de bulles. Je remonte. Ouais, mais ça va être trop dur, je peux pas aller au bout en fait. Si je crevais. Ah, j'ai trouvé une arête encore. Putain, j'ai repris mon sac au moins. Oui. L'accent du sud quand il fait le marseillais, elles étaient au moins 20 contre moi. Quoi? Non, rien, il taquine. Oh non, mais il y en avait vraiment 3. Hein. Qu'est-ce que c'est que de douter C'est des grosses trous abyssales. Ouais. Ça a l'air génial. Mais tu découvres tes trucs sur moi là. En fait, là je suis dans un pot de fleurs pour me défendre parce que les araignées elles font chier. Je fais des trucs utiles, hein. Tu me dis quand tu seras. Tu sais quoi? Faut que je respire. Non, mais pot abyssal, il y aura peut-être des trucs dedans. Je vais peut-être essayer d'explorer. Mais il est où? Je vais te rejoindre parce que je pense que moi en fait je peux. Après, regarde où je suis. J'ai pris tout ce que je pouvais. Je suis à la surface là. Bah je suis au. À l'épuisette. Ah, comme ça on est plutôt safe dessus vu que personne peut venir d'en dessous. Donc je vais attendre ici. Et c'était en dessous de moi à peu près. Les terres, ils font des petits bruits mignons. Oui, moi j'ai trop vite. Regardez-le. Tarté là. C'est une menace détectée. Ça, c'est tout.
Tu viens à Moa ou je t'attends? Oui, je veux bien, ça réduit l'écart. Hein? Non, mais pour explorer, il faut que tu viennes toi. Ah oui? Je vois pas que l'écart se réduit en centimètres. Ah ouais, la joie serait depuis là. Ah, une puce. Elles attaquent presque pas. En fait, tant que tu les tapes, j'ai l'impression qu'elles sont stuck. Ouais, et puis au pire, elles mettent un petit coup, mais assez pourri. Des coups de pelle. Ou plus que 3. Ok. C'était par où ton pot? Je te suis. Ok. Attends, je mange un peu pour mon régène, parce que ça met du temps. Alors, je suis descendu en bas et j'ai vu un gros dôme. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, la pelle. Il y avait une pelle et il y avait un gros dôme blanc. Et là... Là, il y a ça. J'ai un... On l'a tué, on l'a tué, Il y en a d'autres, non? J'entends deux. Oui, bruits. Alors on a une pas trop loin, mais elle est pas sur nous pour le moment. Faut qu'on s'éloigne un petit peu de cette plante. Attends, ah mince, tu remontes. Oh bravo, tu fais mal. Oh putain, on a deux autres. Non, j'ai mis beaucoup de coups. Viens, descend. Oh, voilà. Et du coup, il y avait ça. Et je sais pas comment foutre avec ça, mais ça nous repousse. Donc peut-être qu'il y a un truc actionné pour que ça arrête de nous repousser, si ça se trouve. Vas-y, on peut suivre le fil. On a plein dans cette zone par contre des araignées. Je remonte, faut que j'aille respirer absolument. Là, il y a une goutte, il y a des grosses gouttes là, juste là, viens voir. J'ai remonté parce que le temps que je te trouve. Voilà. Bon, je t'attends. Attention, il y a une araignée pas loin. Et oui, je descends. Tu suis l'araignée? Vas-y, oh ouais, mais ils sont trop chiants. Il y en a deux, putain. Les titards, ils peuvent pas les attaquer? Viens, on bouge. Oh, une autre. On est sous elle. Là. Oh, il y a de la science là derrière elle. Oh, il y a une autre zone verte un peu. Ouais. Ok, on faudra qu'on aille là-dedans. Bon, je remonte à la surface parce que je crois qu'il y a 10 000 araignées qui me suivent. Ouais, non, il y en a qu'une. Attends. Attends, je prends de la science. Oh, c'est chaud. Oh. C'est quoi le bruit de dinosaures? Oh, y'a la carpe qui est près de toi! Ah, elle a bouffé un truc. Parce que c'est elle, elle a bouffé un truc. Et elle attaque la puce d'eau. Ouais, et je crois qu'elle a bouffé l'araignée qui me suivait. Fantastique. Ah, mais c'est la carpe. J'ai peur contre une puce d'eau, j'ai que 20 secondes de respiration. Ah, je vais essayer de t'aider. 20 secondes de respiration, je sais pas si j'aurai le temps. Je vois pas de bulle, mais t'as le temps de remonter. Moi j'ai le temps. Je sais pas où est la carpe, mais je pense que ça va. Poursuivi par plein de trucs, ça rend ouf. Oh, y'a une autre puce d'eau. Putain, elle m'attaque! Oui, y'en a qui sont vénères, et puis y'en a d'autres non. Ah, y'a les trois m'attaquent là. Ah, mais on est couché du soleil, elles étaient pas agressives. Le soir. Après, c'est qu'il y en a une qui était proche là, elle s'est énervée quand elle a vu qu'on attaquait l'autre. Ah oui, il y a peut-être de ça, ouais. Il y en a encore une. C'est la dernière, je crois. Ah non, non. C'est ça, je crois que c'est la dernière. Non, c'est bon, on a déjà fait. Oui, non, mais je veux dire la dernière qui nous fait chier. Oh oui. Attends, j'ai pas de bouffe, t'as pas de la bouffe? Pardon. Oui, mais est-ce que t'as je pas de la bouffe? Drop je pense bien, on va sur le bord là. Bon, ouais, je vais essayer. J'ai envie de boire de l'eau croupie, mais je pense que ça va mettre trop mal. Ok, j'ai lâché un truc. Ouais, une flèche. Non, bien, on va sur le nénuphar. Si, c'est là, la bouffe de charançon, c'est là. Voilà.
tastes surprisingly not terrible. Feeling... Ok, moi aussi. Alors, c'est que j'ai aussi un problème d'eau. Vas-y, je vais boire le croupi, voir ce que c'est. Le mieux, c'est de bouffer après, alors. Ouais, ça fait un petit poison et ça te défonce ta bouffe. Mais c'est mieux que... Ouais, ok, moi je crois. C'est mieux que de mourir de soif, en fait. Ok, on est parti, on va dans la... On descend tout attends, en bas, là, tout de suite, avant qu'il fasse nuit. Attends, faut que je me repose. Voilà, deux secondes. Tac, tac. Ok, c'est bon, j'y arrive. Je suis... Mal dernier, donc j'essaie d'être hors de vue quand je descends. Et du coup, tu t'es descendu à quel truc alors? Bouge des profondeurs. Ah oui. Putain, il y a fou l'araignée. Ouais. Oh, il est sur moi. Tu m'aides? Tu m'assistes? Ouais, je suis là. Tiens, on le cache. Une autre. Ok. Alors on l'a fait. Pourquoi il y en a encore une? Oui. Elle est morte. Allez. Allez, putain. Stop m'attaquer, toi. Stop m'attaquer, toi. Ok, je mets un bandage et j'arrive. Putain, elle t'attaque toi, tu as même pas touché. Mais y'en a 1000. Ouais, y'en avait 2. Joli. Je vais die. Moi aussi. Oh putain. Oh ouais, je suis stun de fou. Ok, j'en ai fini une, mais je suis mort. Oh merde, attends, j'arrive. Oh non, c'est mort, j'ai plus d'énergie en plus. J'ai okay, résisté, mais je te rejoins. J'ai fini l'autre, je vais respirer. Okay. Loot, ouais voilà. Je respire. Loot, tranquille. Non, mais ça m'a heal, ça m'a donné de la respiration. Bon, de toute façon, faut que je me soigne. Ok, je bouffe. La bu. I've had worse, I guess. Ah mince, c'était pas un truc cuit, je parie. Merde. Voilà. Non, mais y'en a encore! L'a vu avec tes amis. Attends, j'arrive, je suis pas trop loin. Ah, oh, mais on va rien voir, ça va être ouais. Il y a de l'argile, faut que j'explore bon, un peu. Bon, ça fait chier maintenant qu'on les a toutes défoncées. Ah, y a encore... pourrait... Ouais, mais il y en a encore deux dedans. Oui, c'est ça, il y a plus que les deux, je pense. Mais toutes celles qui nous faisaient chier autour, tu vois, au moins c'est fait quoi. Pas faux. On va tenter, hein, j'arrive. J'espère juste qu'il y aura pas la carte qui va me faire sur le chemin. Après, on l'entend bien, on la voit et tout. Mais ouais. Ça fait bader la vieille carpe aussi, là. Avec ses bouts de dinosaures, s'il te plaît. Oui, il crie toujours beaucoup dans ce jeu. C'est quoi quand même, Dev, quand même, hein, de jeu. J'aime bien te mettre dans des situations. Hein. Tout est fait pour te faire peur, quoi. Ok, j'ai trouvé mon sac à dos déjà. Putain, je suis vraiment mort. Ok. Et je descends avec toi, Lox. Moi aussi, mais putain. Faut que je me repère un peu parce que je vois rien du tout, On est bon. Tu vois, toi? Ouais, là. Pas très bien, mais. Ok, on est bon. Y en a deux, là. Ça, je vois rien! Ah, ça ouf! Attends, je te trouve pas! Lox, là. Tu vois pas mon marqueur, appuie sur T si tu vois pas mon marqueur, c'est qui a disparu. Oh, les deux sont là. Oh, ça fait chier. T'as de quoi respirer? 42 secondes. Attends, j'avance pour voir si t'as de quoi respirer. Moi je pense que c'est mieux. Je te suis, ok. Bah, moi, putain, tu m'as laissé seul contre les deux. Viens, barre-toi. Je me barre, elle va me suivre. Oui, barre-toi. Elles me suivent les deux. Oui, barre-toi. Puis là, tu me rejoins, comme ça on se battra à la surface. C'est qu'en fait là, je vais mourir si j'essaie de remonter de toute façon. Donc je descends pour essayer de trouver un endroit où respirer en fait.
Non mais comment elles me suivent trop, mais qu'est-ce que c'est que cette affaire? Eh, mais des fois ils sont acharnés les mobs, hein. On est juste passé à côté d'elle, quoi, c'était pas non plus... ça va. J'aime pas, c'est une base sous-marine de ouf. Bon, c'est pas maintenant. Ah ouais? Ouais. Donc c'est pareil, c'est ouais. Tant que t'es pas capable de... Tant qu'on n'a pas le... De quoi... Ouf, putain, what the fuck? Des fois je vois des trucs de ouf tomber au loin. Mais oui, regardez. Ça rejoint le paradis des avortons, c'est génial. Nya, je suis pas avorton. Et merde, les narines sont jaunes. Je vais chercher mon sac à dalle et puis on va faire dodo. Ouais, non, on a pas ça. Quoi? Pour rien, je plonge, il y a la grosse carpe en dessous, moi. Avoue que ça fait peur. Avoue que ça met la pression quand même. C'est trop marrant. Je pense qu'elle est plus active la nuit. En tout cas, je peux te dire qu'à un moment, elle a fait me shipper. Enfin, j'ai eu l'impression en tout cas, elle me suivait. Alors, est-ce ouais, que c'est un déplacement? Je sais pas si vraiment elle s'intéresse à nous. Moi, j'ai vu quand tu l'avais attaqué, elle avait vraiment l'air de s'exciter sur toi. Donc, quand même, je jouerais pas au con, quoi. Et perso quand il aspire. Oui bah t'es pas obligé de le faire, hein. Pas obligé de les imiter, hein. C'est l'immersion là que ça. Moi je suis en VR là, hein. Oh, oh le VR, tu te retrouves naine. Oh, panique totale. Non mais être suivi en plus en VR c'est terrible. Tu tournes. Ah c'est terrible. T'as été suivi dans le jeu de toute façon. J'ai envie d'être suivi. Par les fous. Les fous, ils sont trop fous. Et pour les fous. Les autres qui sont fous. C'est pas eux-mêmes qui sont fous. Ah, je suis rassuré d'être à la base. T'as récupéré ton sac? Ouais. Ça m'étonne, t'allais bien vite. Bon, oui. Ah, on peut remettre de la viande séchée? J'en ai remis un peu, et après on en fait quoi? Genre là j'ai une viande de moucheron, qu'est-ce que je peux faire? Ah je peux faire ça. Fabriquer, ok. Alors viande de charançon séchée c'est bon, hop je remets. Séché, ok ça c'est pas encore séché. Ouais tu peux mettre des plats à faire. Il y en a un qui est terminé, j'ai pris. À carpent on peut en mettre un. Cousteron on peut pas, parce qu'il faut de la viande de moucheron. Okay. Et vous faire dodo. Ah c'est bon pour faire office de repas, c'est cool. Oh, j'ai trop de bouffe. Ouh. Moi. Faut faire dodo. Mais attends, faut la poser, c'est chiant. On prend tous mes slots. C'est là-dedans. Bah non. Non mais attends, t'as mélangé. Allez viens. Ça va. En fait, là, plus on met du c'est temps, bon, plus c'est chiant. Non, mais j'étais galère en inventaire. Alors, tu fais N. Non, justement, ça posait pas. Low energy. Bon, ça doit être séché, du coup. Ouais, ouais. Au lit, bordel, exactement. Ah, la viande, en fait, séchée, ça ne périt plus. Ça ne pourrit plus. Ah, ok. Enfin, c'est plus périssable, quoi. Donc c'est pas mal, en fait. Faut tout sécher, clairement. Et faire des vrais repas, et au moins... Allez, viens, viens boire. T'as pris ton plat? Tiens, je vais le manger, tiens. Ouais, j'ai pris un plat. Mon niveau bouffe, c'est bien. Et niveau effet secondaire, alors l'énergie augmentation, ouais, on a pas mal de buff en effet. Délicieux repas va t'éviter d'avoir faim pendant un certain temps. On a de la saturation quoi. Régénération de santé et les attaques consomment moins d'endurance, c'est pas mal. Ah, oh, c'est bien ça. Il faut qu'on trouve des arêtes. Arêtes. Un jeu de combat mortel combat. Moi j'ai un petit sous-arrière.
Mon couteau commence à être abîmé. Oh, mon mien aussi. Et j'ai... on n'a pas de pierre aiguisée fragile. On peut les faire. Craft. Et non, il nous faut des éclats de quartz fragile. On a le marteau maintenant, mais il faut aller dans les fourmilières. Et encore, hein, on n'a pas trouvé beaucoup. Hein. Il y a peut-être un autre moyen d'en avoir. Ouais, je saurais pas dire, Lux. Je saurais pas dire. On s'est pas séché encore. Bon, je sais pas trop comment on peut faire. C'est quand même pas facile de tout visiter machin. Lisier. C'est quoi les lisiers? Putain, je comprends rien aux lisiers. Ça sert à quoi? Ingrédients avec qui pour l'artisanat? Broyeur. Non, il faut des gravillons pour réparer nos trucs. Faut juste des gravillons pour réparer nos lames. Pas besoin de s'emmerder à en refaire. Non, non, je voulais pas refaire une, je voulais l'améliorer en mode pour qu'elle fasse un. Ah, l'améliorer. Ah oui, c'est sûr. Mais t'as dit, la, ma truc a presque plus de vie. Non, ouais, mais t'écoutes pas. Vas-y. Ah, il y a 3 gouttes sur la toile. At least it's clean. Ah, vache. Ish. C'est violent. Je peux me faire chier avec la gourde, je le dis. Ah, tu peux la récolter dans la gourde. Ouais, bah Lox, on s'en fera une deuxième de toile comme ça et 3 gouttes chaque matin. Ok. En principe. Ou pour en boire une, en mettre de côté, et... pas bon pour la journée. Tout mon comment... équipement. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire du coup maintenant? Il faut des arêtes. Le labo de la haie. Burgle est très peu de souvenirs d'un bâtard dispersé dans le jardin. Mais ça rappelle l'impression d'une superficie sur un arboratoire perché dans les hauteurs de la haie. Ah bah dans les hauteurs de la haie, donc c'est vraiment celui qu'on avait trouvé. Regarde, mais tu te vois pour... D'accord, mais ils disent pas... bon... Artisan, masque à gaz, pic du désherbant. Masque à gaz, on peut le faire, on peut le faire. Pas une quête. T'es au labo ou pas, à tout hasard? Ah non, je suis dans l'eau. Attends, j'ai fait masque à gaz. Bien joué. Un peu de chance. Et je le fous dans le coffre. Je le garde. Bon. Je viens dans la flotte avec toi, on va voir ce qu'on peut refaire. On peut trouver quoi. Peut-être quel côté t'es là. Ouais, viens, je on va... Viens, on va explorer le côté full droite, peut-être, non? Le front full droite cette fois. Parce que tu m'as dit que c'était un truc de ouf là-bas, ça avait rien d'y retourner. Ouais, ouais, ouais. Là, on va juste au fond pour voir s'il n'y a pas des, des arrêts. Mais oui, ok. Low energy. On joue un peu au fond, mais un côté où on n'est pas trop allé. Ah bah là c'est le... ouais, c'est le côté qu'on connaît. Ah voilà. Attends, vu que c'est une nouvelle journée, je crois que je peux retrouver des arêtes peut-être. Je sais pas. Oh mais attends. C'est quoi ça? Ça n'est pas une? Non. Non, j'ai pas l'impression. Ça a l'air d'être de la comp... des compos rares. Oui, oui, avec les champis, je crois. Ou avec les lucioles, je sais pas. Je
mon avis, dans la zone où t'as été là-bas, là, c'était fou. Enfin, on avait. Mais Il y a encore un endroit profond là aussi. Arrêts, puis j'en... Ah là ? Ah nickel, j'arrive. Mais bon, il y a encore plein d'arrêts. C'est le même endroit que tout à l'heure. Ah non, il y a une branche et tout. Ouais, ouais, tu viens, on va essayer d'aller voir. Ouais. On va essayer d'aller voir, on va se remettre courage. J'étais une bébête bizarre. Oh, par contre, j'aime beaucoup ce que je vois. Ah. Je vois une plume. J'arrive. Je vois une plume. Ah oui. Je la vois. En fait, ça marche comme ça. En te mettant dessus. Tu vois la truc d'eau, mais en fait, tu peux taper. Les araignées, elles sont trop chiantes. Vas-y, on l'a dessus celle-là, avant qu'elle te fasse chier. En fait, l'endroit profond, il a pas l'air incroyable. Je vois même pas une arête. Non. Bah, je passe un peu derrière toi vu que je suis tranquille, je cherche. Ouais, bah Dieu, Dieu. On peut trouver du marbre fragile. C'est bon à savoir. C'est pour améliorer les armures, je crois. Ah, ok. C'est vite. Je trouve pas. Je trouve pas de trucs rares. Laissons tomber. L'oxe tombé. Regarde aussi sur les bords, c'est des fois des sortes de petites grottes et tout, mais bon, au moment, pas grand chose à en retirer. Tout le temps derrière. Ouais, j'en ai trop marre. Franchement, on passe trop de temps à essayer de les tuer, ça me saoule. T'as trouvé une plume ? Je la tue ? Enfin, je la tue. Donc oui, vas-y, tue les plumes. Défonce-les. C'est de taré, bah, il veut tout buter, même des plumes. Ah mais il y a vraiment rien quoi. J'ai eu peur, je suis tombé dans l'eau. Ça. Ça fait peur. Une naine avec une araignée, enfin d'eau, plutôt elle et ça la kiffe pas. Ouais, faut qu'on soit très collé. Mais elle réagit quand même à vue quoi. Donc des fois même quand on est là, si on est en face d'elle, bah elle nous voit. Il y a un groupe de charançons, je te jure, à chaque fois en bas de chez nous, là où il y a la ville qui tombait avant. On a 3-4 quand t'arrives. Qu'il y a là-dedans, il y a rien. Oh, ils se perdent là-dedans. Monsieur Lou, c'est charançon. Mais comment on peut trouver des écailles ? S'il y en a même pas dans l'eau, des écailles, des arêtes, bah t'en as trouvé une super profonde quoi. Il y a des arêtes, j'en ai trouvé 3, 4, je crois, et des écailles 3, je dirais. Ouais. Non, moi j'en trouve pas. Ouais, bah oui, bah j'ai trouvé celle qu'il y avait dans la zone où on était allé, mais c'est tout, après j'ai pas trouvé d'autres. Attends, mais. Oh merde, mais attends, c'est toi qui as tous les trucs d'araignée du coup. Non, j'ai juste 2 toiles. 2 fibres. Enfin, 2 trucs de toile. On n'avait pas trouvé des crocs d'araignée. Alors arrête abyssal, on en a 4. Ah, des crocs d'araignée peut-être, faudrait que je vérifie, mais là je suis encore poursuivi, je peux pas tout de suite. Mais ouais, parce qu'ils sont où ? C'est ça que je me demande. On était là avant de sécher. Ok, bon. Les charançons, ça doit être très solide, dis donc. ça doit pas être très solide. Non, je réfléchisse. On a plus de feuilles de trèfle, merde. Ah, si. En plusieurs. Pas en plusieurs mots, charançon. Oh, Vendy, je croyais qu'Envy c'était ton pote.
Ouais, moi aussi je croyais. C'est une ordure. C'est fatigué. Ah, la truite, la carte. Oh, l'avion. Si je l'attaque, ça fait quoi? Arrête-toi. Ça fait ça. La carte quoi, il a fait... D'accord. Elle t'a bouffé? Elle m'a one shot. Bah elle m'a pas bouffé, j'ai pas vu l'animation, mais j'ai vraiment à peine vu une animation, elle a à peine bougé, ça m'a tué. Tu t'attendais à quoi, putain? J'en sais rien, j'en ai marre de ces araignées de merde, là. Qui tentent des trucs parce que bon, au bout d'un moment, le désespoir. Alors, les chélicères d'araignées, on est censé en avoir quelques-uns, normalement. Mais je sais pas, faut que je récupère mon soc. Mais ils sont passés où, bordel? Après, quand c'était un peu la nuit, moi j'ai pas looté grand-chose, hein, je voyais rien. Hein. Moi je l'ai looté toute hein. La truite JPP à la carpe ça. Fou de nageoire dans les dents. Ouais j'ai l'impression qu'on m'a plus tué comme ça ouais. Ah les morceaux... Non. Ah si les morceaux d'argionnette, d'argionnette là je crois quoi. C'est ça peut-être qu'on peut faire des trucs avec ça. Non, non faut les inspecter ou pas? Non tu étais déjà allé voir. De quoi? Bah je me demande où c'est passé. Oh ils sont morts. Oh elle a il a tué des têtards ce poisson. Les pauvres. Ils sont tous morts. Bon. Je vais voir ce qu'on peut faire. Ah merde. J'avais pas vu. Ouais, t'es sûr que t'as pas de chélicère d'araignée sur toi? Attends. Bah, c'est pas facile là en fait. Nox, tu peux perdre du temps. Oh, il tue tout! Regardez, il a tout buté! Vas-y, je vais looter derrière lui. Ah, mais t'as le poisson sur toi? Oui. Les kites. Incompris. Loser. Je peux me trouver à l'endroit à l'arbre des araignées. Et je pourrais regarder mon sac. Oh, c'est bon. Ça ressemble à quoi des trucs d'araignées là? Des chélicères, ils appellent ça. Moi, j'ai pas. J'en ai à peine loot, hein. J'en ai loot sur une. Oh putain, alors c'est pas elle. Oh, alors c'est vraiment sur les araignées loups ou... Non, peut-être sur les jaunes. Mais si, t'as dit qu'elle te donnait des crochets. Non, des morceaux, je sais pas quoi. Arrive vers elle. Oh la truite, bah voilà, tu la vénères. Ça va. Eh, c'est un peu, je sais pas, c'est noble une truite. Moi je trouve un peu. Je suis loin du camp. Ah non, ça te donne des morceaux d'argironnette en fait, c'est tout. Bah ça c'est un peu dommage. J'essaie de venir vers toi. Ouais, je suis à l'opposé, je passe par l'eau pour revenir vers le camp. Et comme d'hab, je me fais poursuivre par
par l'océan entier. Le chef de la mare, le poisson. Bah, s'il pouvait bouffer quelques araignées au passage, ce serait quand même pratique. Bonjour, Annie. J'ai un trident, Lox. Oh, la chance. Bon. On essaie de voir pour tuer dernier loup du coup. Franchement, on tente avec une coccinelle, non? Quoi? Bah ouais, la coccinelle elle pourra peut-être bien la mocher. Ouais, c'est vrai. It can be a strategy. Mais bon, le problème c'est qu'araignée loup et coccinelle, il y en avait une à un moment là où j'étais, mais j'ai même pas réussi à la poule à l'arc et monter sur la coccinelle. Elle rush à une vitesse, ouais. Ça m'a l'air plus difficile à mettre en place, mais ça doit être faisable. Tiens, il y a un dernier loup ici. Ah, j'arrive. Avec le casse de vie, essayer de mourir. Ah zut. Alors, Anir et Louis disent quoi? Résistance à empaler, full kiff, coupe. Faiblesse, coupe. Tailladé. Tailladé. Désolé, je me frite avec Moby Dick encore. T'es où là? T'es juste à côté de moi. Ah, vraiment pas longtemps. Hein. Moi je cherche toujours des arrêtes. Non mais je n'arrête pas. De toute façon il en faut trop. Donc, ouais mais comment on peut les trouver du coup? Parce que c'est forcément dans l'eau. Mais c'est pas des arêtes hein, qu'il faut pour le masque bulle. Et si c'est des arêtes pardon mais c'est 5 en gros. C'est qu'à mon avis je sais pas, il y a une autre étape ou quoi. Pas trop. Armor protection, engage. Yo ant. That tastes really good. Carpcoy en plus, mais ça va, oh là là. Oh là là, le poisson n'était pas vexé. Je cherche une vie. Je l'ai dépassé. C'est une vie. On l'a fait? On la défonce? Oui. Et où? T'as toujours ton tuba, tu devrais mettre un casque. Ce serait plus de résistance. Ah, oui. Let's take a look. Tac 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 tac, il est où? T'es pas concentré là. Voilà, c'est bon. On est où? Oh putain! On peut parler en plus. Incroyable. Attends, attends, mais moi l'araignée louche pas où? Let's go! Ah, oh, il y a une autre, une araignée jaune! Elle m'a empoisonné, je vais crever. Hein. Non, mais c'est. Je sais pas terrible. Comment t'aider. C'est beaucoup trop violent. Tu peux venir me raise ou pas? Ou elle t'attaque? Ouais, elle m'attaque. Ah, t'essayes de. Essaye de tenter, oui. Casse-toi, Ladybug! Elles sont d'une violence, c'est. J'ai amené l'autre!
Mais t'as vu, je t'avais dit que c'était dur. Ah, mais j'ai jamais dit le contraire. Non, mais je veux dire. Terrible quoi, l'araignée loup. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce démon des enfers du cul en fait. Elle est debug, elle est trop lente, elle s'en fout là, l'autre araignée. Bon, on essaie de la tuer à la. Ah, moi j'ai pas de vie hein. Pas dit que j'en avais. Du coup, en pâle, elle s'en fout, c'est ça? Je me rappelle plus. There's another aphid. Attends, je fais X. Coupe tailladée épicée. Coupe tailladée, tailladée. C'est bien. Attends, j'essaie de l'avoir au cake. Attends. Je vais mettre un coup de dague de poison. Oh. Attends, fais pas ça! La vie qu'elle a! La vie qu'elle a! C'est un délire! Hein. Putain, mais elle vient vers moi alors qu'elle est même pas aggro! Je galère, elle patrouille. Ouais, je vais tenter plus, là, là elle va ressasser, il y a peut-être moyen. Peut-être moyen. Non, t'as plus que 3 secondes. I've got you, Hoops. Waouh, bravo. La vie qu'elle a quand je me suis approché, j'ai raté mon coup, mais ça m'a montré sa barre de santé. C'est encore plus étonnant, c'est genre 2-3 barres de plus la coccinelle quoi. Pourquoi déjà ils nous en font? Ouais, peut-être pour les crochets. Les jaunes sont peut-être plus facilement tentables, non? Mais les jaunes, on a tué plusieurs, on a jamais de crochets. Hein. Ah ouais, ouais. Fais gaffe. Ah non, le crochet, on a jamais eu encore. Oh la vache. En fait, faudrait la poule dans une zone de piège. C'est comme ça, là, un peu. Et encore, elle saute tellement partout. Parce qu'elle lance pas de toile, elle ferait pas chier. Ouais. C'est terrible, hein. Les araignées, un petit peu. C'est tellement violent le truc. Comment on peut faire? Putain, on est tellement. Non mais attends, on a récupéré une super puce, trouve le labo. On est tellement. Explorer les profondeurs. Mais attends. Et pourquoi on bloque sur tout là? Pourquoi on avance zéro en fait? Pourquoi on est nul à chier là? Qu'est-ce qui se passe? Pas rien moi. Ah si hein, t'es 50% responsable. J'ai faim. Oh, arrête. Je vais aller voir Burgul. Ouais, va voir Burgul, ouais. Ouais, je vais dire au revoir à la VOD. Bisous VOD.